Alors, avant d'appeler Fernand Ruhl, qui est vice-président de la Fédération, pour dresser avec vous le bilan d'activité de cette saison, on avait envie d'adresser un clin d'œil aux membres du conseil d'administration de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales, qui sont tous bénévoles et qui donnent de leur personne pour administrer la chasse dans les Pyrénées-Orientales. Justement, regardez, 3 minutes d'image pour comprendre comment travaille le conseil d'administration. Là, c'est une réunion du conseil d'administration ? C'est un conseil d'administration. On attend que tous les administrateurs soient là. Hein. Alors, les gens arrivent, s'installent, regardent leur dossier, ou en reprennent connaissance, hein, parce qu'en principe, ils le reçoivent au préalable, soit par mail, soit par courrier. Hein. Lorsque tout le monde est là, et qu'on a fait le point des éventuelles absences, donc la réunion commence. Bon, c'est un ordre du jour, en règle générale, que je prépare avec le directeur de la fédération en fonction de l'actualité, des différentes rencontres que chacun a pu avoir de son côté, et puis de l'actualité du moment. On suit l'ordre du jour comme il est indiqué, mais bon, on peut dévier de cet ordre du jour à n'importe quel moment en fonction des questions des uns et des autres. C'est normal. Tout à fait. Non, mais en plus, c'est normal. Tu as raison. On est toujours gagnant d'écouter, effectivement, les réactions des uns et des autres, parce que on ne voit pas forcément tout sur tous les sujets que nous traitons. Il y a des administrateurs qui ont chacun leurs compétences. Il est intéressant, effectivement, de recueillir ces compétences. Elles sont enrichissantes et elles font que la fédération ne s'engage pas sur de mauvaises pistes ou de mauvais chemins. La comparaison là, que vous avez eue et que je vous ai envoyée hier par mail, normalement, à l'ensemble du conseil. Chacun a son caractère, bien sûr, hein, mais c'est enrichissant dans une discussion. Hein. Et chacun dans son domaine a des compétences. Il y a des gens qui ont des compétences techniques, d'autres qui ont des compétences en matière juridique, d'autres en matière administrative. On essaie de rassembler tous ces savoirs pour faire en sorte de bien conduire la fédération. Nous, ce qu'on attend, c'est cet enrichissement de la part des connaissances de tout le monde. Les administrateurs, ce sont les yeux et les oreilles de chacun de leurs secteurs. Leur rôle, c'est d'écouter et de faire remonter effectivement les remarques, de façon à ce que nous puissions mener une politique qui corresponde effectivement aux attentes du terrain. On se revoit pour ces deux minutes. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Donc, comme vous venez de le constater, chacun au travers de ses engagements et de ses connaissances, de son relationnel et de ses expériences, apporte sa pierre à l'édifice fédéral. Vous avez pu consulter dans votre dossier AG 2023 les attributions des 16 membres du conseil d'administration. Vous avez pu également visualiser les missions dont sont chargés l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs, 11 personnes en CDI, soit 10,8 ETP, auxquels s'ajoutent 2 contrats d'apprentissage, l'ensemble étant managé par notre directeur Gilles Thibier. Vous l'aurez compris, je vais relater un travail d'équipe et cibler l'essentiel des thèmes qui sont présentés dans votre dossier AG. Je ne rentrerai pas dans les détails tant l'activité fédérale est riche et diversifiée. Si vous souhaitez des précisions complémentaires, nous vous les fournirons bien évidemment. Pour introduire mes propos, je vais faire un rappel juridique. Maître Saliès, si je fais erreur, n'hésitez pas à intervenir. Nous sommes une fédération en AK obligatoire et à ce titre, depuis l'origine de la loi, nous sommes chargés de missions de service public. La loi du 24 juillet 2019 a renforcé ses prérogatives en transférant aux fédérations de nouvelles missions, que ce soit en matière d'ACA ou de plan de chasse. Nous sommes ainsi délégataires de missions de service public et devons en assumer et en assurer des responsabilités inhérentes. Jusque-là, tout va bien. C'est la fédération qui se débrouille. Je cite bien sûr cette réflexion-là que j'ai souvent entendue. C'est sans compter sur la jurisprudence constante depuis 2012 qui énonce que les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d'un service public. Cette jurisprudence rajoute que les décisions que prennent les ACA dans ce cadre manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le président reviendra sur ce point tout à l'heure, mais j'insiste sur le fait que vous êtes astreint à des obligations statutaires codifiées par le Code de l'environnement. Cette année est une année de renouvellement des conseils d'administration de vos ACA. Une newsletter reprenant toutes les modalités vous a été transmise il y a un mois.
Je vous invite à vous rapprocher de Jérôme Blanik, qui vous accompagnera dans vos démarches, certes fastidieuses, mais essentielles. Quant à moi, je suis à votre disposition pour vous installer et pour vous former sur l'application GAK, qui, en plus d'être gratuite, est simple d'utilisation. Alors, vous parliez de délégation de services publics. Vous le savez, la Fédération gère désormais l'instruction complète des demandes d'attribution de plans de chasse, avec une particularité, ce sont des plans de chasse triennaux. Cyril Agnès, technicien à la Fédération, c'est quoi la philosophie de ces plans de chasse triennaux ? Nous avons effectivement instauré un plan de chasse triennal pour l'ensemble des espèces de grand gibier présentes sur le département depuis la saison 2018-2019. Cela nous permet de fixer des politiques de gestion à l'échelle de 3 ans, d'attribuer également des bracelets avec une certaine visibilité pour les détenteurs de droits de chasse, mais quand même avec une certaine rigueur, hein, puisque dans tous les cas, et annuellement, il y a une obligation de réaliser des mini-maxi et de s'y tenir. Hein. Alors pour nous, c'est une souplesse de gestion, hein, et de réalisation de plans de chasse attribués en fonction des années. C'est aussi, il faut le reconnaître, une simplification administrative pour tout le monde et pour tous les acteurs, hein, au travers voilà, ça nous permet dans tous les cas de limiter le nombre de réunions, etc. Et puis c'est une façon de responsabiliser les détenteurs de droits de chasse dans la gestion et la régulation des espèces. C'est important de dire que là, il faut de la rigueur. Derrière, il faut respecter les dates de retour annuelles, les réalisations des bilans, etc. Oui, effectivement, hein, ça impose une certaine rigueur pour tout le monde, hein, y compris pour nous au niveau du service technique, mais surtout au niveau des détenteurs de droits de chasse et de plans de chasse. Et d'ailleurs, on l'a très largement rappelé lors des réunions préparatoires à cette Assemblée générale et lors des réunions plans de chasse précédentes. Merci Cyril. On se retrouvera tout à l'heure.